Coach Beauté pour apprendre un nouveau truc de pro. Tu te maquilles depuis peu et tes premiers pas sont encourageants. Mais certains jours, tu passes plus de temps à défaire qu'à faire. Voyons ensemble comment corriger rapidement les petits accidents de maquillage. Si tu vois trop l'épaisseur de ton fond de teint ou que tu as mis trop de poudre, utilise un brumisateur pour alléger. Pulvérise loin du visage et tamponne avec des mouchoirs en papier. Si tu as eu la main trop lourde sur l'application de ton fard à joues, voici mon conseil. Utilise une houppette et de la poudre que tu travailles en mouvement doux et circulaire pour alléger la couleur. Pour les taches de mascara, pas de panique. Attends que ça sèche et décolle les petites traces avec un coton-tige sec. Frotte délicatement en tenant ta peau. Pour les coups de crayon qui dépassent sur les yeux, voici ma solution miracle. Utilise aussi un coton-tige, mais cette fois imbibé de fond de teint. C'est magique, ça marche comme une gomme et ça fonctionne aussi pour un contour des lèvres qui déborde. Applique ensuite un voile de poudre et termine ton maquillage comme si de rien n'était. Reprenons ensemble les étapes importantes. Teint trop poudré, pulvérise de l'eau. Trop de fard à joues, houppette et poudre. Tache de mascara, attends que ça sèche. Crayon qui dépasse, coton-tige et fond de teint. Avec ces petites astuces, finis les drames. Tu peux tout expérimenter sans risquer de passer sous la douche. Alors à toi de jouer. Une exclue Fit TV.